Donc qu'est-ce que ça veut dire le French shopping? Donc le French shopping, c'est en gros bah, le vol à l'étalage quoi. En gros, ils ont dit French shopping parce qu'apparemment les Français volent énormément en Australie. Après, on n'est pas les seuls, hein. J'en ai vu d'autres nationalités voler, on n'est pas les seuls du tout. Mais c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de monde qui se sont mis à voler et qui ne volaient pas en France parce qu'ici, ils ont pris la confiance. Genre, tu vois ici, dans beaucoup de magasins, il n'y a pas encore de portique comme en France. Il n'y a pas de vigile aux entrées des magasins, même si ça a commencé à changer, je trouve, depuis 2019. J'ai eu l'occasion de connaître des Français qui avaient un bon salaire et qui volaient des poulets dans les supermarchés, qui mettaient dans leur sac à dos. Et puis qu'ils étaient fiers d'eux parce qu'ils avaient volé un poulet, quoi, voilà, français. Après, le French shopping, je crois que ça a été créé surtout à Sydney et Melbourne, où t'as même des magasins, quand ils entendent des Français parler, ils refusent certains Français dans les magasins. Maintenant, j'ai pas vécu ça à Brisbane, parce que je pense qu'il y a moins de Français que Sydney ou Melbourne. Mais franchement, moi, quand je vois ce genre de truc où j'en entends parler, j'ai vraiment honte pour le coup d'être française. Parce que moi, c'est un truc qui me... c'est un manque total de respect. Et je pars du principe qu'à partir du moment où t'as un salaire, t'as plus besoin de voler.